Le présent appel d'offres concerne toute personne physique ou morale apte à réaliser dans les conditions requises les travaux du projet de la zone franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication ZBETIC. Ce projet porte sur une superficie de 180 hectares. La Côte d'Ivoire s'engage ainsi dans un vaste chantier de création d'une zone économique spécialisée. Ce lancement que nous venons d'effectuer est l'aboutissement d'un travail, de longues années. Il consacre, la fin des études et le démarrage effectif, des travaux. Donc il s'agit essentiellement d'informer l'opinion nationale et internationale sur, le démarrage du lancement des appels d'offres, qui est une invitation aux entreprises nationales et internationales à soumissionner et à présenter leur meilleure offre pour la réalisation de ces travaux. Les différents intervenants à cette conférence soutiennent que la Côte d'Ivoire s'inscrit dans l'économie du savoir à travers cette zone franche qui va se développer progressivement et va contribuer à la relance économique. Déjà, 16 entreprises sont installées dans le VICTIB, village des technologies de l'information et de la communication. Le projet du VICTIB représente plus de 40 000 emplois. Ce sont des emplois dans le domaine des TIC, de la biotechnologie, des emplois de pointe. L'ouverture des offres est prévue pour le 10 juillet 2014 et le démarrage des travaux d'une durée de 30 mois est annoncé pour octobre prochain.